allez bien. Comment vous dire que... Ouais, j'ai un petit t-shirt sympatoche. Comment vous dire que... Bah ouais, j'ai refait des courses. Ouais, je sais. Mais parce que, en fait, vous dites, ouais, je fais beaucoup de courses, mais d'un autre côté, je mange tout. Bon, alors pour 2,45 € j'ai pâtes, poulet, lentilles, corail et curcuma. Voilà, je vais manger ça dans la semaine, si la date est bonne. Ouais, je vais manger ça dans la semaine. Pierre Martinet, Indi, pâtes, risoni, poulet, corail, curcuma. C'est très bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Je ne vous cache pas qu'il y a du curcuma, il y a du corail. C'est très très bon pour la santé. Donc, vous voyez, packaging toujours défoncé. Hein. Franchement, la belle vie des fois. Alors là, c'était une promo. Je l'ai payé 2,89 €. C'est bon jusqu'au 10 juillet. On est le combien? Bon. Bref, peut-être je mettrai la vidéo en retard parce que j'ai tellement de courses que... Voilà, ça, je vais manger ça ce midi. Avec des moules. Voilà, je crois qu'on est le 3 juillet. Ouais, on est le 3 juillet. Donc avec des moules 2,80 €, moules cuisinées, beurre, ail et persil, c'est une tuerie. Non, je n'ai pas mangé ça ce midi, comme c'est le 10 juillet, je vais attendre un peu. Des frites le 15 juillet, c'est l'anniversaire de ma mère, le 15 juillet. Frites spéciales micro-ondes, 2,10 €. Bien sûr, je reprends. On ne change pas une équipe qui gagne. Cette fois-ci, j'ai changé. J'ai pris Maminova, mandarine, citron vert, parce qu'il m'en reste encore plein. Donc, du coup, voilà, j'en ai pris deux paquets. Je l'ai payé 1,35 €. 1,35 €. La salade était en promo à 1,19 €. Voilà, alors c'est... Oh, ben c'est bon, hein, j'ai le temps de les manger. Hein. Voilà. Franchement, ça c'est bien. J'aime bien la salade iceberg. Ensuite, bah ouais, j'avais envie de me faire plaisir. Mais vraiment, hein, je vous assure, je voulais sortir. Aujourd'hui, je me suis dit, je peux sortir un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Et vu le temps qu'il fait, non. Voilà. Ma cicatrice commence à aller mieux. Ça me fait mal, mais ça va mieux. J'ai trouvé ça. 2,30 €. 2,20 €. Quelque chose comme ça. Je m'en rappelle plus. Des Springles Smoked Bacon Flavor. Ouais, je parle comme une vache espagnole, je sais. Smoked Bacon Flavor. Franchement, franchement, franchement. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas dit franchement. Franchement, 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 je vous dis que c'est très bon ça. Je suis sûre que c'est très bon. Nina, si tu vois, oui, tu verras de temps en temps les petits paquets Springles. Je sais pas pour... Alors, bah du coup, pour 1,30 €, par contre, elles sont pas chères. Des bretzels, elles sont pas chères, hein. Au vinaigre, j'adore. Sel et vinaigre. Bah, comme maintenant, je prends des médicaments pour la tension, alors... Ça, c'est ma petite barre que j'ai eue en cadeau. À chaque fois, j'ai une petite barre en cadeau. J'avais déjà celle-là l'autre fois. Alors, je sais pas combien c'est parce que pour l'instant, ils les font en cadeau. Après, on va payer ça. À mon avis, ça va être 2 euros. Voilà. Comme ceci, ou peut-être moins. Voilà. Celui-là, c'est cranberry. Et là, j'ai repris le même. Amande, chocolat noir du Brésil. Des coca. 2,99 € les 6. Du coup, j'en ai pris 6. Et du coup, j'en ai pris 2 paquets. Vous savez que ça, c'est des sacs qui sont recyclables. Sac poubelle. Je vais leur redonner, mais je crois que c'est des sacs recyclables. Regardez celle-là. Voilà. 100% recyclé. Je pense que Chris va bien rigoler en faisant encore un montage de malade, d'humour. Vous allez rigoler. Ça, franchement, ben, voilà, je vais les mettre au frais parce que j'en ai plus. Ensuite. Je vous dis, c'est des petits achats, hein, parce que j'en avais pas besoin beaucoup, j'ai même pas eu pour 25 euros. Qu'est-ce que j'ai pris là? Un avocat. Ils sont jamais mûrs, leurs avocats. Hein. Voilà. Aïe. J'ai pris. Je sais même pas ce que j'ai pris. Je m'en rappelle plus. Honnêtement, je vous dis, je m'en rappelle plus. Un citron, 59 centimes. C'est des citrons, des beaux citrons, ça. Je viens de le voir, mais je viens de me dire. Et, waouh, alors là, je suis pas déçue. 2,40 €. Il faut savoir que les trucs sont très chers à la Belle et Vie.
Regardez le melon, territoire de Camargue, 2,40 €. Ah, vous allez trouver Made in Espagne, et là, c'est 2,40 €. Territoire. Mais je vous dis, mais si vous voulez vous abonner, et en plus j'ai mis le code maintenant, il y a mon code carrément. Vous rentrez le code, ou alors si vous mettez mon mail, ou alors le code. Et vous avez 10 € de réduction, et franchement, je ne vous cache pas, c'est comme au supermarché, hein. C'est la même chose, hein. D'ailleurs, je vais vous scroller, comme ça vous verrez sur le côté. Chris va le mettre. Et ouais, j'ai mon monteur Chris. Pour Chris, yipipi! Hurrah! Yipipi! Hurrah! Yipipi! Hurrah! Croyez-moi que je suis une casse-pied, hein. Et il le sait, mais il a tellement l'habitude, donc ça ne le dérange pas trop. Mais bon, moi, ça me dérange de l'embêter comme ça. Alors ça, ben voilà, soit je mange ça et ça, mais j'ai décongelé un steak haché que j'adore. Sauf qu'il est un peu gonflé, je ne sais pas pourquoi. Et donc, non, ça va. C'est parce que c'est le congélateur. Voilà, je vais manger ça ce midi. Et du coup, bah, je vais manger des frites. Et comme c'est bon jusqu'à, je sais pas quand, et ben les moules, j'ai 10 jours pour les manger. Et bien, je les mangerai. D'ici là, je vais sortir hein, quand même. Hein. Je ferai toujours mes achats à la Belle Vie parce que franchement, honnêtement, ça vaut même pas le coup de s'en passer. Et puis ça, on les trouve pas, il y en a pas partout. 1,30 € franchement, 35 pardon. Même ça, j'en trouve pas. 2,30 € ou 2,45 € je crois. Franchement, c'est vraiment pas cher. Voilà mes petites courses, ce sont des petits achats du jour. Voilà. Et puis, je vais vous mettre, je crois que je vais mettre une autre robe que j'ai complètement zappée, qui me paraît tout indiquée pour la situation, sauf qu'elle est un peu grande. Donc, j'ai mis mes affaires sur Vinted, comme je vous ai mis l'autre fois, là, comme on a fait le scroll, là. J'ai plein de commentaires gentils, alors que je ne me suis pas mis en avant ni rien. Hein. J'ai plein de commentaires gentils qui me demandent plein de choses. Là, il y en a une à m'a demandé d'essayer la robe, donc j'ai essayé la robe. Donc, j'ai pas fait comme... Là, j'ai vraiment fait la robe, quoi. J'ai tourné, nanana, nanana. J'avais pas de soutien-gorge parce que, avec cette robe-là, on met un soutien-gorge, mais sans bretelles parce que c'est décolleté derrière. Voilà. C'est des petites courses, comme je vous ai dit. J'ai plus de fromage. Mais je me dis, à la place du fromage, je vais manger ça. Voilà, et ça. Il faut savoir que moi, alors vous allez rigoler, hein, mais il faut savoir que moi, j'achète du fromage, du gruyère. Je passe ma journée à manger le gruyère et à manger le roucoulon. Je passe ma journée à ça. Et là, en une journée, il n'y a plus rien. Des gâteaux, ben, il n'y en a plus. Les gâteaux, les balsems, les pick-ups au chocolat noir, il n'y a plus. Pâtis. Ils sont pâtis, il n'y a plus. Donc, moi, je mange, je ne vous dis pas. Hein. Là, j'ai deux barres parce que j'en avais déjà des barres. J'ai celle-là que je n'ai pas mangée, que je vais manger. Et celle-là que je viens d'avoir. Mais franchement, j'abuse, quoi. Je mange beaucoup, mais du coup, moi, je n'ai pas de cholestérol, je n'ai pas tout ça. À part la vitamine D, c'est tout. Donc, du coup, ben voilà, j'arrête pas de grignoter. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi ça devient dramatique. Hein. Depuis que j'ai mon arrêt là, de mon pied là, je fais que ça. Je mange, je mange, je mange, je mange. Je grossis pas, mais je mange. Voilà, je mange n'importe quoi. Enfin, même pas un couteau. Je le coupe comme ça dans le frigidaire, chez moi, hein, je fais ce que je veux. Hein. Je prends dans le frigidaire, allez hop, et je le coupe, et hop, je mange. Non, mais le gruyère, il a... Je sais même pas si le gruyère... Non, je l'ai jeté. Non, mais j'ai pu, hein. J'ai pu, a pu. A pu, a pu, a pu, c'est tout vide. C'est tout vide. C'est tout, tout vide. Je vais remettre ça au frais.
Voilà. Hop, je vais mettre mes yaourts. Donc pour l'instant, je vais les laisser dans l'emballage. Oh, j'ai peur. Voilà. Et vous savez que j'ai peur maintenant. Hein. Je ne mange plus dans des assiettes en verre. Des verres. Je ne bois plus dans des verres en verre et je ne mange plus dans des assiettes en porcelaine. Voilà, ça va passer. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Mais pour le moment, c'est une phobie. Je ne supporte pas le verre. C'est compliqué, ça va passer. Il faut, hein. Et puis si je vois quelque chose qui tombe, je fais tout tomber. Voilà. Hop. Et ça, c'est pour la merci. Ah, j'ai oublié la mayonnaise. C'est pas grave. Ça coûte quand même 4 euros et des bananes. Mais c'est le même prix que dans le commerce. Hein. Et là, les coca, je vais mettre des coca au frais. Ah, bah j'en ai déjà. Bah non, j'en ai déjà. Donc, du coup, j'en ai acheté d'avance. Voilà, j'en ai acheté d'avance. Comme je vous ai montré. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis abonnez-vous, likez. Partagez, commentez. Si la petite cloche n'est pas activée, réactivez-la. Bon, j'espère que vous avez bien vu toutes mes courses. Voilà. Et puis, normalement, je dois avoir encore une femme de ménage. Je ne suis pas sûre qui doit venir, mais je ne suis pas certaine. Et puis, le taxi, surtout, c'est le plus important parce que je ne pourrais pas faire des kilomètres avec mon pied comme ça. Je peux marcher un peu. À la maison, je marche. Je me sens rassurée, mais dehors, ça fait tout de suite mal. Vous voyez là, depuis tout à l'heure, ça y est, ça me fait mal. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, et puis je vous avais dit pour la prise de sang, n'importe quoi, ce labo, donc du coup, j'y vais plus. Parce que faire croire que, surligner quand on a eu un cancer en 2008, et surligner comme quoi il y a un problème de capteur pour le cancer, wow! Même mon médecin, il était choqué. Donc voilà, je ne vais plus aller là-bas. Tant pis pour eux, tant pis. J'ai travaillé 18 ans là-bas, mais c'est plus le même. Hein. C'est un laboratoire privé, mais qui est encore là-bas. Eh bien, j'irai plus. J'irai dans mon centre-ville comme je faisais d'habitude. Mais sauf que là, pour marcher, c'est compliqué. J'ai hâte de faire le marché, j'ai hâte. Mais je sors masquée, ça c'est clair. Mais pour l'instant, je ne sors pas. Voilà. Bon, bah écoutez... Je vais danser. On fait la danse, c'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Vous savez, c'est le groupe Naps qui avait fait Folle, la chanson que j'adore. Il donne une photo, Cali dans l'auto. Ben là, il fait c'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Bon, Sybille, ça y est? T'es contente? T'as fait ton speech, comme dirait Chris. T'as fait ta pièce scène de théâtre. Bon, allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis I love you. Ich liebe dich. Te quiero, ti amo. Abonnez-vous. Bye. Likez. Partagez. Commentez.